celle-là, il ne la rate pas. Ah, il a vite changé la direction de sa course. Hein. Il est parti très vite vers l'avant là. Il a voulu en faire un point d'honneur à aller au bout de ce match. Et du coup, c'est la fin de saison qui s'envole. Ok, ce match en extension là, même si Fabio Fognini arrive à remettre. Ah oui, bravo. Et le point serré. Il a été quand même très sérieux sur les deux points suivants avec un service gagnant. Et ce revers avec énormément de concentration dans le jeu de Rafael Nadal. Oh,漂亮。面对纳达尔时候你去上网，很有可能这是一个巨大的陷阱。对，因为纳达尔他底下。Good hands. If you can do all of that well, then more often than not, the volleys are relatively simple. No panic there on the half volley. That was crucial. Most players make the mistake of trying to do too much when they're in a difficult position. I think Nadal will still believe that he can turn this around. And like you said in the first set, just sows a seed of doubt in Fognini's mind. Really good tennis. A lot of players in a similar situation to Nadal there would have pretty much given up the ghost, but not the Spaniard. Such a good competitor, still believes he can turn this around. Oh, 漂亮的接发球啊。Got to sneak into the net. So early.Il a également été médaillé d'or à Pékin hein, sur ce stadium en 2008 au JO. Ouais, il est monstrueux là quand même, il a fait deux glissades, bout de course, coup droit là. Non mais. De casser. Non mais c'est monstrueux ce qu'il a fait. Ouais, c'est là, même là, là encore. Il arrive et il arrive à poser l'appui fort. Ah, il pensait pas qu'il allait être si rapide ouais. aussi, hein. Sans doute. Et ça fait. Encore une balle de break pour Rafael Nadal pour mener 5-4. Oh, il la laisse pas passer cette balle de break. Rafael Nadal qui est en train de faire un retour de premier plan. Je sais pas si les gens s'imaginent à quel point c'est compliqué de glisser sur une surface en dur comme celle-ci. C'est pas conseillé hein, d'essayer le week-end dans vos clubs. Non.
Rafael Nadal avec le public qui avait déjà réagi. C'est ça qu'il doit finir. Faire aujourd'hui, Nadal. C'est ça qu'il doit faire maintenant. S'il va avoir une chance de revenir dans ce match, il doit prendre des risques et jouer plus près des lignes. Là, c'est difficile de faire plus près que ces deux dernières balles. Il n'a pas le choix. Belle attitude, il est mené 6-3, 2-0. Phenomenal shot making from both. Nadal trying to spread the play. The quality of that, defending extremely well. Nadal is so good at just opening the racket face just enough there. Get the ball back in play. Wow,好球,好球,漂亮,漂亮啊。对,忘了纳达尔是左手的半截击放盘,相对比这个反拍的半截击放盘要容易。哇,这个球纳达尔应该说这个截击控制的非常好啊。这个如果是右手持拍的选手在这个点上就很难了。嗯。基本上就是一个 进了复盘一样来摆对纳达尔的线路真的是 没错，他对这个比赛场地的有效利用啊，非常的，哇，这个球，哇，非常精彩啊，太精彩，太神奇了，他转进来了，他又旋转，他这个 qualité défensive, c'est monstrueux. Fabuleux, quel coup de génie là, cet amorti de Nadal. Là, je sais pas s'il aurait pu mieux faire, Novak Djokovic. Il y avait déjà eu une défense en glissade, appui très écarté côté revers de Novak Djokovic. Trajectoire de balle. Oh là là, c'est incroyable. Il faut limite qu'elle va lancer une balle, hein, je pense. Ah, dans l'axe, c'est hallucinant. Hop, c'est une trajectoire. C'est Roberto Carlos. C'est incroyable. And he will return to the number one ranking on Monday. Not the way he will have expected things to pan out today by any stretch of the imagination, but it shouldn't take anything away from that achievement. Nadal has had a wonderful season. Redevenir numéro un mondial, c'est quelque chose de spécial pour de nombreuses raisons et j'en suis très heureux. So, happy for everything.